n'y est pas tout le monde. Alors, dans la catégorie je vis, j'essaie de me développer personnellement. Dans la catégorie je maintiens ma santé, comment de par mon travail potentiellement, et comment j'évite ainsi la gestion de mes risques autour de le risque de dépression, de fatigue, de burn-out, et je précise de burn-out sociétal, collectif et systématique. Enfin, systémique, pas systématique, autant pour moi. Alors, cette présentation, elle est très subjective. En fait, cette présentation, elle fait un peu le bilan de mon retour d'expérience à l'instant T. Donc, j'observe personnellement et collectivement que on a tous des problèmes autour de ce que je qualifierais de burn-out, de fatigue générale. On va essayer de comprendre pourquoi potentiellement les gens sont fatigués. Et moi, j'ai envie de vous dire, yé! Pas le burn-out, c'est pas tabou et on en viendra tous à bout. Pourquoi? Bah juste par une prise de conscience. Prise de conscience de quoi? Mais on y est quelque part, un peu pour quelque chose, mais également pour rien. Parce qu'indirectement, le burn-out, c'est le résultat d'une succession d'événements que je pourrais dire également économiques. Et moi, je regarderais le burn-out d'un point de vue économique. Pourquoi économique? Parce qu'il y a quelques années, donc il y a très longtemps, à remonter jusqu'à 1930 et 1940, etc., on a eu la phase d'après-guerre avec notamment les phases opulentes d'automatisation de l'industrialisation, les 30 Glorieuses. Donc avec tout ce qui est Fordisme, Taylorisme, en fait, on a tellement voulu profiter de la vie après cette phase de guerre, hein, parce qu'on a vécu le manque, parce que voilà, vivre la guerre, c'est horrible. Donc on a voulu en profiter et on a voulu produire, produire, produire. Donc en fait, on a produit. Et en fait, on a commencé à mettre en place le travail à la chaîne. Le travail à la chaîne, ça. Enfin, c'était quoi? Ce travail à la chaîne, en fait, il a eu, c'était un outil qui permettait d'optimiser la productivité, donc par l'humain. C'est-à-dire que vous avez eu la possibilité, enfin, on a compris que c'était très important non plus de perdre du temps. C'est-à-dire un individu allait faire X tâches. En fait, non, on a concentré un individu sur une tâche. Donc, vous avez commencé à travailler à la chaîne et dans la reproduction des mouvements. Et ça, ben, si chacun est sur une partie de la production qu'il est spécifique, en fait on va augmenter le volume du production au final. Donc effectivement vous êtes vous l'humain, en fait on a optimisé la ressource. Voilà, on a cette ressource, elle est devenue beaucoup plus productive, et ça c'était nous les humains. Donc le travail à la chaîne. Sauf que ce travail à la chaîne, une fois qu'on a pensé, pensé, pensé sur comment on optimisait l'humain, on est arrivé à une limite. Et aujourd'hui, on y est, cette limite. Cette limite, c'est l'humain, on lui en demande tellement que malheureusement, en fait, il est surmené. Donc maintenant, la deuxième technique, et celle qui devrait essayer de vous soulager, c'est qu'une fois qu'on a optimisé l'humain et qu'on ne peut plus rien faire autour de l'humain, c'est-à-dire que on a fait le travail à la chaîne, après on a fait mis en place les techniques d'optimisation de management, c'est-à-dire que on a eu un management plus à l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a utilisé d'autres techniques peut-être un peu plus psychologiques pour vous amener à optimiser encore la production. Donc vous, une fois qu'on a utilisé tous vos facultés, donc bah vous êtes fatigué, les entreprises en ont bien pris conscience, vous êtes fatigué, vous êtes à bout, vous avez beaucoup trop de responsabilités au travail, vous ne savez plus où donner de la tête, vous n'avez pas de place à votre vie personnelle. Donc là, la situation potentiellement est en train de s'améliorer, puisqu'on n'a pas attendu aujourd'hui en fait pour industrialiser les productions. Et effectivement, depuis les années 80, 90 et 2000 et encore plus aujourd'hui, on a en fait une automatisation de la production. Donc c'est-à-dire que les robots, l'intelligence artificielle est en train de venir pour venir nous suppléer dans nos tâches et nous alléger. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention voilà, à ne pas vous mettre en phase de burn-out. Moi, j'ai envie de vous dire que le futur devrait être meilleur, justement. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de risques liés aux suppressions des emplois avec la digitalisation, la numérisation, mais néanmoins, vous devez garder en tête que cette robotisation va vous permettre de vous libérer du temps et devrait vous soulager au regard de potentiellement ce qu'on pourrait interpréter comme un burn-out, c'est-à-dire un surmenage qui peut engendrer dans certains cas de figure en fait la dépression. La dépression, ça peut se manifester comment, à mon sens? Alors c'est subjectif, mais quelqu'un qui, à mon sens, est déprimé, c'est quelqu'un qui a perdu
perdu le goût des choses simples, le goût de sortir, le goût de mettre des baskets. C'est quelqu'un qui préfère rester enfermé. Pourquoi rester enfermé? C'est parce que vous avez tellement une mauvaise image de vous-même que vous avez l'impression que les gens à l'extérieur pourraient en fait, interpréter votre manque de confiance actuelle. Donc en fait, vous préférez rester enfermé pour ne pas subir le regard des autres. Le regard des autres, il n'a pas lieu d'être. En fait, c'est vous qui interprétez que les autres vont avoir un regard sur vous. Mais votre situation, pour autant, même si vous vous sentez en burn-out, vous avez le droit de vivre comme tout le monde. Et même si vous êtes déprimé, au contraire, ne vous cachez pas et osez dire à votre entourage qu'effectivement, ces temps-ci, vous n'êtes pas bien. Parce que votre entourage vous permettra de prendre conscience que justement, il ne faut pas rester dans cet état. Parce que le risque de rester dans cet état, c'est de rester dans cet état beaucoup trop longtemps, et votre cerveau, lui, en fait, il va intégrer cet état de burn-out comme un état d'équilibre. Ça veut dire que pour lui, il va le considérer comme la normalité. Et donc, du coup, vous allez avoir une dépression qu'on va dire chronique. Elle va se mettre en place tout le temps. Donc, il faut lutter de façon à dire à votre cerveau, non, cet état n'est pas normal. Non, je dois me bouger et oui, je dois sortir. Donc voilà pour le burn-out. Alors le burn-out, ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous n'êtes pas forcément fautif. Donc on a un contexte économique actuel de crise qui fait également que le burn-out, on subit un peu les effets de ce qu'on a mis en place. On a mis en place en fait une surconsommation. On a intégré dans notre petit cerveau que consommer nous permettait de nous sentir mieux. Donc ça, je pense qu'il faut déprogrammer, il faut enlever tout ça. On n'a pas besoin de tout cet excès de confort matériel. Ça vous mettrait dans une situation avec beaucoup moins de stress parce que je constate qu'il y a énormément de gens actuellement qui ont un confort matériel qui est énorme. Et qu'ils ont l'impression que sans ce confort matériel, en fait, ils ne pourront pas être heureux. Donc leur burn-out, il est implémenté par la peur de ne pas pouvoir maintenir ce confort matériel. Donc si c'est votre cas de figure, moi je vous conseillerais plutôt d'enlever un peu tout ce trop-plein matériel, de commencer à prendre confiance que votre bon équilibre et votre bien-être, il n'est pas fonction de tout le matériel que vous allez pouvoir posséder. Ça va vous permettre de dédramatiser la situation et de moins mal vivre le risque d'aller travailler tous les jours en ayant la boule au ventre, de perdre vos emplois. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous disais dit, avec la digitalisation, la numérisation, et pour l'avoir vécu moi-même, c'est très très dur de garder un emploi. C'est tous les jours qu'on arrive au boulot avec la peur au ventre d'être remplacé. Et même si vous avez un CDI, moi ça a été le cas de figure. Je n'ai même jamais réussi à conserver mes CDI. Pourquoi ? Parce que parmi les CDI que j'avais, en fonction des responsabilités qu'il y a, par exemple, va falloir vous payer plus. Et comme les entreprises payent énormément de charges aujourd'hui, elles n'arrivent pas à subsister. Donc il faut qu'elles épurent, on va dire. Donc en règle générale, vous allez être utilisé dans les premières années, être optimisé, et on va vous demander le meilleur pour justement assurer la création de valeur ajoutée dans votre entreprise. Et une fois que vous avez mis tout ça en place et que vous n'êtes plus nécessaire pour la création de la valeur ajoutée, soit parce que vous avez formé l'ensemble du personnel et que ça roule tout seul, ou soit parce que vous avez construit et mis en place un système assez solide pour être remplacé par un stagiaire qu'on va payer moins cher. Donc oui, tout ça fait que tous les jours vous avez la boule au ventre d'arriver au boulot. Si vous avez la boule au ventre d'arriver au boulot, effectivement, vous allez laisser le burn-out se mettre en place. Donc peut-être que diminuer la quantité de matériel à la maison vous permettrait de vous faire prendre conscience que gagner beaucoup d'argent dans la vie n'est pas forcément un facteur d'épanouissement, qu'il n'est pas complètement indispensable, et que prendre conscience qu'au jour d'aujourd'hui, accepter la flexibilité au niveau du travail est une chance plutôt qu'un risque ou une menace. Voilà, moi je pense que si vous êtes flexible et si vous devenez peut-être un peu moins exigeant et moins carriériste, peut-être que vous pourriez éviter peut-être le burn-out. Mais ça, c'est subjectif et personnel. Bien sûr, je me permettrai de juger la situation de personne ou je ne me permettrai jamais de vous dire ce que vous avez à faire. Mais la seule chose que je veux vous dire, c'est permettez-vous de vous sentir mieux dans votre peau, dédramatiser la situation. Voilà, donc une alternative pour éviter le burn-out, si il est matériel et économique, c'est de réduire vos besoins matériels. Effectivement, de vous rendre compte que pour bien vivre, vous n'avez pas besoin forcément d'argent. Pour aller surfer ou pour aller faire du vélo dans la montagne, il n'y a pas besoin des 1000 et des 100.
Voilà, en fait, il faut juste prendre le temps de vous occuper de vous et que, voilà, si le contexte économique actuel et la crise financière également, vous amènent dans des états de stress, il y a beaucoup d'alternatives futures qui vont arriver. Vous allez avoir beaucoup de, à mon sens, beaucoup de petits outils d'intelligence artificielle qui vous devraient venir vous suppléer dans la vie et vous aider à résister et vous aider à améliorer vos conditions de vie. Donc ça, c'est en train d'arriver actuellement et ça, pour moi, ça peut être également des outils indirect pour gérer et diminuer votre burn-out. Voilà. Dans un autre exemple également, pourquoi je parle du burn-out et pourquoi je suis très touchée par le burn-out? Parce que tout simplement, ça me fait très très mal au cœur. Parce que je vois que ce burn-out, en fait, il influe la séparation de beaucoup de couples. Moi, je constate également qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent. Alors, je trouve ça très dur parce que pour moi, ils avaient un bon équilibre de vie et. Peut-être qu'à mon sens, ils font un petit peu fausse route, c'est-à-dire qu'ils sont tellement dans un état de burn-out et de stress dans leur situation financière qu'en fait, ils se trouvent des excuses dans leur couple pour dire non, ça ne va pas, donc il faut que je recommence et que je reconstruise tout. Et si le problème était ailleurs? Et si le problème, c'est pas votre couple? Ce serait dommage de le détruire pour tout recommencer. Donc, effectivement, peut-être que si vous preniez soin de vous, peut-être que si vous revoyez vos exigences matérielles, peut-être que si tout simplement vous décidez, moi je sais pas, vous avez construit une maison, vous êtes engagé sur un prêt à 20-25 ans, normal que vous soyez en burn-out parce que tous les jours, vous vous levez avec des difficultés de la vie et vous avez peur qu'un jour on vienne vous prendre cette maison ou vous avez peur que ne plus pouvoir payer. Et bien, tentez peut-être une expérience, je ne sais pas, c'est personnel. Mais quel est le mal à devenir locataire? Vendez cette maison, vendez et profitez légèrement de cette plus-value. Faites très attention à la mettre de côté, mais utilisez cette plus-value également pour vivre à côté. Donc revoyez par exemple les loyers. Est-ce que vous avez vraiment besoin de 150 mètres carrés ou 200 mètres carrés? Est-ce que vous avez besoin de vos 1500 mètres carrés de terrain? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que de toute manière, vous passez votre week-end à tondre, à nettoyer, vous voyez personne, que les coûts liés à l'énergie, l'électricité, c'est énorme pour maintenir cette maison. Donc tout simplement, revoyez peut-être vos exigences et ça vous permettra de sortir du burn-out. Acceptez avec votre conjoint et vos enfants de revenir peut-être dans une location, tout simplement pour restabiliser votre couple, prendre le temps de faire autre chose. Donc on met de côté, il n'y a plus de jardin à faire, il n'y a plus 150 mètres carrés à nettoyer ou à entretenir. Donc vous avez du temps pour vous et vous vous apercevrez, pardon, que si vous avez du temps pour vous, en fait, vous serez plus épanoui. Donc voilà, en fonction de l'origine du burn-out, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est une crise économique? Est-ce que le burn-out, il est plus psychologique aussi? Vous pouvez faire un burn-out psychologique, c'est-à-dire que vous êtes une femme, un homme, et que dans toutes vos responsabilités, vous êtes surmenée, vous avez l'impression de ne pas arriver à vous occuper de votre enfant, ou vous focalisez beaucoup trop au niveau de l'éducation de votre enfant, parce que pour vous, vous serez un mauvais parent. Si votre enfant n'a pas plus de 100% ou 150% des besoins matériels, est-ce que c'est vraiment ça l'important? Voilà. Et est-ce qu'il ne faut pas essayer de rétablir l'équilibre au regard de l'équilibre avec votre mari ou votre femme? Est-ce que vous ne l'avez pas délaissé? Est-ce que vous ne l'avez pas oublié? Parce que vous êtes beaucoup trop focalisé sur l'éducation des enfants. Donc tout ça peut être des facteurs qui pourraient indirectement expliquer l'état de votre burn-out. Donc moi, je vous conseillerais de prendre du temps pour vous, aller faire du VTT, aller au bord de la mer, aller vous promener près d'un lac, près d'une rivière. Prenez du temps pour vous, analysez la situation, regardez ce qui vous manque et voilà, corrigez. Est-ce que c'est de passer du temps avec vos enfants? Est-ce que c'est de passer du temps avec votre mari? Est-ce que c'est de régler des problèmes avec des collègues de travail? Est-ce que c'est que vous passez pas également assez de temps avec votre famille, vos familles? Donc revoyez la donne et maintenez un équilibre, c'est-à-dire ne passez pas d'une phase où vous voyez personne à une phase où vous voyez trop de personnes. Non, vous tiendrez pas dans le temps. C'est voilà, mettez-vous en place un plan d'action qui soit progressif et propre à votre situation. Donc écoutez vous-même, analysez vos difficultés, partagez avec vos amis, parce que des fois on a une fausse vision de soi-même. Et peut-être que ce que je suis en train de vous dire là, c'est une fausse vision, parce que j'interprète mal ce que je vois dans le monde extérieur, ou alors parce que mes propres expériences intérieures, en fait,
ben ça comment ça modifie mon jugement et ça fait que j'ai un jugement qui est pas très correct de la réalité. Donc vous pourriez avoir une vision qui soit complètement autre que la mienne. Donc bref, posez-vous, faites le vide dans vos têtes, arrêtez de focaliser sur votre problème parce que vous ne voyez que ça et en plus de ça, ça tronque votre interprétation. Votre cerveau, c'est un petit malin et votre cerveau parfois il faut le corriger et lui donner une bonne claque aussi à celui-là parce que si on s'écoute, et ben le problème c'est que parfois bah, il nous conduit dans des phases, on va dire, des mauvaises phases pour nous. Et le stress, ça gère quoi? Ben, si vous êtes en burn-out, vous êtes stressé, donc vous allez générer chez vous des radicaux libres. Ces radicaux libres dans votre sang, ben, c'est plein de petits déchets. Et ces déchets, ça, c'est pas bon. Ça peut amener des cancers, ça peut amener des maladies, alors que en temps normal, vous ne les auriez pas eu. Donc si dans votre tête, vous êtes convaincu de vous dire, je vais bien, je maintiens ma santé, je refuse le burn-out, pourquoi? Ben, parce que tout simplement, je veux vivre, je peux vous assurer que vous allez conditionner la durée de vie dans laquelle vous allez vivre. Si vous, en vous levant tous les jours, vous dites, ben, moi je suis sûr qu'à 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, je vais déclencher une maladie, mais moi je suis persuadée que vous la déclencherez cette maladie. Si au contraire, dans votre tête, vous refusez le burn-out et vous vous évertuez à vous maintenir un équilibre, eh bien, à mon sens, vous aurez la capacité d'éviter toutes ces maladies. Donc voilà, c'est fonction de vous. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est y est pas, non, le burn-out ne passera pas par vous. Et utiliser le mot burn-out est déjà quelque chose de pas bien, parce que si je vous parle de burn-out, vous allez écouter cette formation et vous allez dire, oh, en fait, je suis en burn-out. Et donc, du coup, ça veut dire que dans votre cerveau, vous intégrez le fait que, oui, effectivement, vous avez un problème. Non, éduquez votre cerveau, vous n'avez pas de problème, on est des individus phasiques, on est des bouillons d'hormones, on a des phases où on va se sentir bien, des phases où on va se sentir moins bien, on va avoir des phases où on va trouver l'énergie du monde et un courage du monde, on va être hyper entreprenant et des phases où on sera moins. Voilà, il faut accepter ces phases et il faut juste, à mon sens, maintenir l'équilibre pour contrôler en fait les pics hauts, les pics bas et la fréquence à laquelle ils arrivent. Et prendre conscience de soi-même, c'est prendre conscience en fait de l'amplitude de nos pics à la hausse, amplitude de nos pics à la baisse et la fréquence à laquelle on peut les avoir et quelle situation va déclencher ces pics. Donc en fait, c'est prendre le contrôle quelque part de sa vie et prendre conscience de son inconscient. Voilà, parce que génétiquement, en fait, ben, on va avoir, voilà, il y a des gens qui vont être beaucoup plus stressés que les autres, il y a des gens qui vont déclencher des burn-out, voilà, de façon plus fréquente que les autres, il y a des gens qui vont avoir une faculté d'avoir ben, des dépressions, on va dire, chroniques, mais ça, c'est pas vrai, c'est une interprétation. On est tous susceptibles de contrôler nos phases, donc il faut en prendre conscience et il faut se foutre un bon coup de pied au cul. Et excusez-moi, je peux être un peu vive, mais il ne faut pas se laisser aller parce que se laisser aller, en définitive, c'est la facilité et c'est baisser les bras. Et si vous faites rien, forcément, il se passera rien et ne vous complaisez pas dans votre situation parce qu'après, votre cerveau l'interprète et ce cerveau, c'est un petit malin parce qu'il aime tout ce qui est plus facile. Et ça aussi, génétiquement, on est différent. Il y a des gens qui vont adorer la facilité alors qu'il y a des gens qui vont lutter contre la facilité parce qu'ils ont pris conscience que le cerveau, il fonctionne à l'économie. Donc tout ce qui est plus facile, on va le laisser se mettre en place. La vie, c'est pas forcément de la facilité. Donc non, on se met un coup de pied au cul et on essaie de rétablir nos équilibres de vie. Pourquoi? Parce que c'est profitable pour vous individuellement, mais c'est également profitable collectivement. Parce que le matin, quand vous allez acheter votre petit croissant, ou le matin, tout simplement, quand vous allez sortir votre chien et que vous croisez du monde, et ben votre sourire, il est collectif. C'est-à-dire que si vous vous levez le matin en ayant le sourire, et ben inconsciemment, dites-vous bien que si vous avez le sourire et que vous êtes cool, vous avez peut-être donné le sourire aux 10 personnes à qui vous avez parlé le matin. Voilà. Et ça, moi, je suis sûre du pouvoir de propagation du bien-être. Donc voilà, entraînons-nous. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est dans une phase de burn-out, rassurez-le et aidez-le à se sentir mieux et aidez-le à retrouver une place dans cette société. Aidez-le à se mettre dans sa tête qu'il a beaucoup de qualités et que effectivement. Pardon, il faut être également capable d'accepter nos défauts, mais que nos défauts, on peut les corriger. Donc voilà. Donc moi, je vous dirais, fournissez
de l'énergie pour gérer votre risque et refuser de tomber dans le stress, dans l'angoisse, dans la nervosité. Alors refusez pas catégoriquement, mais maîtrisez la dimension de ces émotions. Elles ne doivent pas vous envahir sur le long terme. Et si vraiment vous êtes dans une phase de dépression prolongée, voilà, il y a le pharmaceutique, je le sais très bien, ça peut être une issue. Moi, je ne suis pas pour les antidépresseurs. Bien sûr, consultez quand même votre médecin, je ne suis pas médecin. Mais moi, pour moi, les antidépresseurs, ils peuvent soit aider, c'est comme tout, c'est un équilibre avec les antidépresseurs, ils peuvent soit aider ou soit ils peuvent vous enfoncer. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire les choses sans ces antidépresseurs, vous aurez toujours besoin de ces antidépresseurs et ces antidépresseurs vont, à mon sens, vous plonger dans une léthargie. Et si vous êtes dans la léthargie, vous avez, à mon sens, envie de rien faire. Donc vous n'aurez pas toutes ces émotions qui vont vous envahir, mais vous n'aurez plus d'émotions. Donc vous allez être là, vous allez être posé, mais vous n'allez pas savoir pourquoi vous êtes là. Donc il faut faire attention à toutes ces prises médicamenteuses et à mon sens, le premier médicament que je retiens dans ma tête, c'est quand même le sport. Pour moi, ça, c'est capable de soigner tous les maux. La prise en main, se donner un coup de pied aux fesses et s'obliger à aller mieux. Pourquoi ? Ben parce que peut-être que vous êtes maman, peut-être que vous êtes papa, peut-être que vous êtes tonton, peut-être que vous êtes tata, peut-être que vous êtes papy, peut-être que vous êtes mamie. Et donc si vous êtes dans cette situation, en fait vous êtes dans un lien familial et social qui fait que vous avez besoin de transmettre de l'énergie aux autres. Voilà, parce que quand on est dans une société, on aime les gens qui nous entourent et que ça nous fait mal de les voir souffrir. Et que si ces gens souffrent, et ben malheureusement on sera mal aussi nous-mêmes. Donc c'est important de se prendre en main. Parce qu'en fonction de votre état de santé, de votre état psychologique, eh bien, vous allez influencer les autres. Et si vous n'êtes pas bien tout le temps, ben les autres, à force de vous voir pas bien, seront peut-être aussi pas bien. Donc c'est important de se prendre en main justement pour montrer une image plus positive. Je ne vous dis pas de cacher, non, dites la réalité. Mais prenez conscience que vous devez absolument vous prendre en main. Parce qu'on a une vie, que cette vie, elle est belle et qu'on n'a pas tous la chance de mettre, d'avoir deux pieds sur cette terre qui est juste magnifique. Voilà. Donc prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Y est pas. Et je dis, le burn-out, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Voilà. Et si vous êtes en phase de burn-out aussi, je pense à de nombreuses connaissances à moi parce que j'ai mal au cœur, mais si vous êtes en phase de burn-out et que vous avez envie de vous séparer, ce sont vos choix personnels. Mais analysez bien la situation, d'avoir la possibilité peut-être de réduire en fait hein, vos besoins matériels et de prendre le temps tout simplement de profiter un peu plus avec votre famille. Et peut-être que ça pourrait être la solution pour maintenir votre couple parce que vous êtes avec une personne que potentiellement vous aimez. Vous avez traversé des phases qui sont vraiment très très dures. Vous avez l'impression que c'est la dernière phase et qu'il faut tout casser pour tout recommencer et tout reconstruire. Ça peut être effectivement une solution. Mais il y a peut-être des solutions moins traumatisantes qui conviendraient à réfléchir l'environnement dans lequel vous vivez, le modifier légèrement pour voir si c'est pas cet environnement qui influe sur le bien-être de votre couple et essayer de le préserver. Donc voilà, moi je vous dis, il y a trop de beaux couples ensemble et voilà, je trouve dur de les voir se séparer parce que lui est en burn-out ou elle est en burn-out ou que les deux sont en burn-out. Donc prenez la conscience de l'état psychologique dans lequel vous êtes. Essayez de trouver les leviers qui pourraient modifier votre mal-être. Et une fois que vous avez trouvé ces leviers, ben, vérifiez si c'est bien eux ou pas qui sont responsables. Voilà. Allez, je vous dis, y est pas, prenez soin de vous. Et voilà, je suis pas super contente de ma présentation. Je l'ai fait de manière spontanée comme d'habitude, mais bon, j'espère qu'elle vous apportera quand même quelque chose de positif. Le but, c'est absolument pas de vous enfoncer. Jamais je me permettrais de le faire ou ça me ferait mal de le faire. Mais le but, c'est plus de vous encourager à vous prendre en main et à sourire, voilà, pour que vos enfants, vos parents en profitent, votre mari en profite, vos collègues de boulot en profitent. Voilà, j'ai envie de vous dire, dédramatiser sur la situation. Vraiment dédramatiser, prenez du recul, faites un pas derrière et regardez ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et puis voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, y est pas, prenez soin de votre santé parce que le stress, ça peut engendrer beaucoup de désagréments sur la santé. Donc rien que pour ça, vous n'avez pas droit
d'être stressé beaucoup trop longtemps ou d'être stressé de façon trop importante ou de laisser le burn-out se mettre en place pendant trop longtemps parce qu'il va engendrer la dépression. Voilà, donc sortez de cet état, mettez-vous un coup de pied aux fesses. Voilà, et vraiment si, moi je ne suis pas médecin, je suis une experte de rien, mais vraiment si c'est trop dur, voilà, allez consulter parce qu'en fonction des psychologies de chacun, on n'est pas capable de faire la même chose et parfois on a besoin d'une aide médicale urgente. Donc voilà, de nos jours, il existe plein de solutions. Essayez de trouver celle qui est adaptée à votre cas de figure. Mais moi, personnellement, je vous dis, prenez soin de vous, aimez-vous, respectez-vous et voilà, souriez, souriez, souriez chaque matin, souriez dans votre journée et vous verrez que, voilà, par effet de magie, comme dans un miroir, la personne en face de vous vous sourira et si cette personne en face de vous vous sourit, vous serez également rassuré. Je vous adore et prenez soin de vous. Je vous dis bientôt. Aïe pas pour un Aïe pas épisode.